الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي نزلنا بقلي إن شاء الله دون سورة إمينة Du Coran, comme a dit le Salam dans un hadith qui se trouve dans le Sahih al-Bukhari et celui de Muslim, à savoir la Sourate al-Ikhlas, la Sourate 112, la Sourate du Tawhid pur, elle équivaut au tiers du Coran. Les savants ont essayé d'expliquer comment cette Sourate équivaut au tiers du Coran. Euh, L'explication la plus pertinente alam, est que le Coran comporte, tr comporte trois grands axes. Cro Trois grands, grands thèmes. Trois grands thèmes. Les histoires, le les lois, l'ahkam et le dogme, larida Or, cette surat résume le dogme. Et le dogme, c'est ce qui est le plus important dans l'islam. D'ailleurs, les lois découlent du du dogme. Cette surat résume ce que l'homme doit croire au sujet de son Seigneur. Il attribue à Allah subhanahu wa des attributs de perfection, c'est comme elle, à savoir l'Uluhiya, qu'il est Allah, l'Ahadiya, l'unicité, il est Ahad, unique, et Samadiya, Samad, l'extrême refuge. Nous allons expliquer ce que ça veut dire, à Samad. Et elle l'exempte des attributs d'imperfection. Il n'a pas engendré la mialid, Il n'est pas engendré, il n'a pas, pas été engendré la miuled, Ou la miakula ou Ahad. Il n'a pas de semblable, il n'a pas de pareil. Le lien de correspondance entre cette surat et la surat al-Masad, la surat qui, qui la précède, surat la fibre, la surat 111. Quel est le lien entre cette surat et la surat Précédente. ou plutôt quel est le lien entre cette Sourate et les trois Sourates précédentes. Comme vous le savez, le classement des Sourates ne suit pas l'ordre chronologique de la révélation du Tanzil. On trouve même à l'intérieur d'une Sourate des versets révélés à des moments séparés. Le Coran, vous savez, il est, il est descendu par euh, fragments, monège par fragments successifs jusqu'à ce qu'il fit Jusqu'à ce qu'il fût complet. Il fut rassemblé ensuite en un ensemble unique. Mais ce classement, ce classement, se fonde sur un enseignement divin. C'est Allah qui a révélé à Muhammad wa sallam, de mettre telle surat à telle place et tel verset à telle place. Et toutes les surat et tous les versets, tous les versets se disposent en une suite sage, intelligible et harmonieuse. Le Coran, il offre un ensemble harmonieux d'idées, de phonologie, etc. C'est comme un, un seul élément le Coran. Euh, Quels sont les, 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 les trois sourates qui précèdent la sourate l'Ikhlas, la sourate al Kafirun, les mécréons la sourate Nasr, le secours victorieux, et la sourate la Fibre Al-Masad Ce Sont ces trois sourates qui précèdent sourate l'Ikhlas, la sourate al Kafirun il dit, oh vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, jusqu'à ce qu'il a dit, à vous votre religion, à moi ma religion. C'est sur la tranche, hmm? séparation totale entre les monothéistes et les polythéistes, entre les croyants et les mécréants. Il hmm? y, y a des aveux total de ce que les mécréants adorent. Hmm? Donc, après avoir coupé tout lien entre euh, son prophète et les mécréants, concernant l'adoration, Allah il a annoncé la bonne nouvelle à son envoyé dans la Sourate Al-Nasr. Dans la Sourate la Sourate Le Secours Victorieux, à savoir que c'est sa religion qui l'emportera sur la religion des mécréants, et que les gens entreront en masse, hein, en masse dans l'islam. Et d'ajah à quand viendra le secours d'Allah et la victoire, que tu verras les gens entrer dans la religion en masse. Donc, euh, après, il lui a donné cette nouvelle, cette bonne nouvelle, après avoir tranché entre lui, coupé le tout lien entre lui, entre son prophète et les mécréants, il lui a annoncé cette bonne nouvelle que c'est sa religion qui aura le dessus. Et après cette bonne nouvelle, le triomphe de l'islam, Allah a rappelé à son prophète une autre bonne nouvelle, à savoir l'anéantissement de deux de ses pires ennemis euh, qu'il avait fait beaucoup souffrir, c'est euh, à savoir son oncle Abu Lahab et la femme de celui-ci, hmm? périssent les deux mains d'Abou Leheb, qu'il périsse lui-même, sans bien ne lui a servi en rien, pas plus que ce qu'il a acquis. il sera brûlé dans un feu plein de Laheb, plein de flammes et son épouse, la porteuse de bois, euh, le cou entouré d'une corde de fibre. Donc, euh, quand la surat al kafiroun a, a tranché, bah, quelle est la, ré la, la récompense de ceux qui suivent la religion d'Allah C'est quoi C'est la victoire, c'est le, le pardon d'Allah. Bah, euh, donc, le pardon d'Allah, c'est la récompense. Et quelle est la récompense de ceux qui se sont opposés au prophète et à la religion d'Allah bah, L'enfer à l'image d'Abu Lahab Donc, euh, dans cette sourate de la fibre, Allah message a commencé par les deux mains d'Abou Lahab, qui a dit que ces deux mains périssent, les deux mains d'Abu Lahab. Euh, parce que bon, les, les, les mains sont les organes de l'action, de l'appréhension et du don. Et c'est ces c'est une. Euh, il désigne par métaphore, par métonymie, il désigne aussi le pouvoir. Il désigne le pouvoir et le don, la générosité. Vous savez, les Arabes se vantaient de faire des dons, d'avoir le pouvoir, d'avoir une famille nombreuse. Euh, d'avoir beaucoup d'argent. Abu Lahab faisait des dons. Il avait un certain pouvoir. Il avait beaucoup d'enfants. Donc, euh, comme a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, euh, son bien ne lui a servi en rien, pas plus que ce qu'il a acquis. kasab, ça veut dire en priorité les, les enfants. Euh, il, il, il se vantait d'avoir de, de la gloire, il se vantait d'avoir beaucoup d'enfants. Euh, son épouse est la soeur d'abou Soufiane, une femme noble. Euh, Allah, après avoir anéanti Abu Lahab et l'avoir voué à un châtiment avilissant, lui et sa femme, il a révélé à son prophète de dire « Qul ahad » dit « Il est Allah, il est unique, il est ahad ». Allah le samad, -samad il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, أحد, et nul n'est égal à lui. Donc si Abu Lahab a besoin d'argent, de femmes, d'enfants pour en tirer gloire, Allah n'a pas besoin d'argent, il n'a besoin de personne, il est Allah, il est unique et il est samad. Et samad, c'est-à-dire qu'il n'a besoin de personne. Et je vais détailler, je vais expliquer plus. Plus clairement, ce que ça veut dire, Samad. Donc, il n'a besoin de personne à la Abu Lahab a des enfants. Et Allah, subhanahu wa il est trop transcendant pour avoir un enfant. Allah n'a pas d'enfant qu'il l'aide. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Abu Lahab a une femme. Allah n'a pas de femme. Nul n'est équivalent à Allah. Subhanahu wa Parce que le fait d'avoir des enfants est un signe de faiblesse. Et c'est quelque chose que l'homme partage avec les animaux, avec les insectes et les, et les, êtres, les êtres microscopiques. Allah est trop sublime, il est au-delà de tout cela. Son bien, son bien ne lui a servi en rien, pas plus que ce qu'il a acquis. Tout ce dont il tire gloire ne lui a servi en rien devant Allah. Hein? Et puis remarquez comment la sourate al-Masad décrit l'état humiliant de, de la femme d'Abu Lahab. Il dit elle porte des bois, porteuse des bois, et il a le cou entouré d'une corde de fibres. Comment une femme aussi vile oserait-elle défier Allah qui est le samad bah, Avez-vous un peu saisi le contraste entre ces deux sourates? Allah n'a pas d'enfant Abu Lahab a besoin d'enfant. Allah est trop transcendant pour avoir des, des enfants. Abu Lahab a besoin de femmes, a besoin d'argent. Allah n'a pas besoin de tout cela parce qu'il est samad. Donc, vous avez, vous avez un peu saisi la nuance. Nous allons tirer quelques perles d'éloquence de cette, de cette éminente surat, surat l'Ikhlas. Le mot par lequel cette surat a commencé est le verbe Qol pourquoi Allah a donné cet ordre à son prophète Dit, c'est lui, dit lui, c'est lui Allah qui est unique, Allah le Samad. Pourquoi il ne lui a pas révélé ce verset sans ce verbe à l'impératif Pourquoi il ne lui a pas dit, c'est lui Allah qui est unique, Allah le Samad Pourquoi il ne lui a pas, c'est-à-dire sans ce, ce verbe à l'impératif sans le verbe dire à l'impératif. Premièrement, pour l'honorer. C'est un honneur de dire qu'Allah est unique. Allah le samad. C'est un honneur que de s'adresser euh, pour son prophète, que de s'adresser à lui par cet ordre dans une surat imminente. Une surat qui décrit qui Qui décrit Allah, exalté soit-il. Il l'a inclus dans une surat qui décrit la transcendance d'Allah, le décrivant par des qualificatifs suprêmes et l'exemptant des, des attributs d'imperfection. Donc c'est un honneur pour le prophète pour lui donner cet honneur de le décrire. Deuxièmement, si on se réfère aux circonstances de, de, de cette surat, ben cette surat est en fait une réponse à une demande. À une demande Adressé au prophète. Wa sallam. Les mushrikines, les associateurs, avaient demandé au prophète wa sallam, de leur donner une généalogie à, leur, à son Seigneur. Ils lui ont dit bah, Donne-nous la généalogie de, 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 de Dieu, de ton Dieu. Ensebilana rabbak » comme dans un hadith euh, qui se trouve dans les sunnats intermédiaires, qui est qualifié de Hassan. Euh, par Sheikh Al-Bani, il a une autorité canonique assez bonne. Ils lui ont demandé de, lui donner, de leur donner une généalogie, de leur décrire Allah d'où il vient. Et Allah wa lui a révélé ce qu'il doit leur dire. Il a dit, ahad. dis, dit-leur, dit, il est Allah qui est unique. Allah le samad. Troisièmement, dans l'ordre dit, on comprend qu'Allah ordonne à son prophète et à, son, à sa communauté de déclarer ce qu'il y a dans cette sourate, de déclarer haut et fort que notre Seigneur est Allah, qu'il est unique, qu'il est le suprême refuge, le Samad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. De, 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 de déclarer notre dogme d'unicité. Ce n'est pas qu'on pense certains, la question de la foi est une question personnelle, ça reste, ça reste entre toi et Dieu. Euh, non, non, ce n'est pas ça. Nous devons nous devons déclarer notre Akheda, la manifester et la propager et, et démontrer la fausseté des autres doctrines. C'est d'ailleurs ce qui fait de, de nous la meilleure communauté qui ait été sortie aux hommes. Nous, nous, nous croyons que nous détenons la vérité, ben, il est de notre devoir de la propager. En plus, Allah n'a pas dit, dit aux associateurs, il n'a pas dit, ou dit aux ou dit à celui qui t'a demandé, dit à cette personne, dit à cela, il est Allah, il est unique. Non, il n'a pas cité de complément. C'est pour montrer que ce discours est valable pour tout le monde, pour toute communauté. Ce n'est pas un discours qu'il faut proprement adresser à une catégorie de gens particuliers, mais un discours à portée générale. huwa allahu ahad. sans complément, le verbe à l'impératif, ça veut dire que ce texte est général. Qul huwa, huwa allahu ahad. Si on veut, euh, on, on veut traduire littéralement le verset, on va dire, dis lui. Allah unique. Allahu ahad. Di di lui ou c'est lui Allah qui est unique. Huwa c'est un pronom masculin singulier. Les Arabes l'appellent damir sha'n. Il l'appelle damir sha'n. Il vient au début de la phrase c'est un pronom qui vient au début de la phrase et il renvoie tout le reste de la phrase c'est à dire que tout le reste de la phrase explique de quoi il s'agit il est en, que, en quelque sorte comparable au pronom qui joue le rôle d'une cataphore en français ou lui 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 quoi lui allah qui est unique allah le samad qui n'a pas engendré qui n'a pas été engendré etc Damir Shan, Damir littéralement, c'est le pronom d'importance. On s'en sert pour mettre l'accent sur l'importance du mm. récit qui vient après ce, ce pronom-là. Il ressemble aussi au pronom démonstratif composé, celui-là ou celle-ci, si vous voulez. Cette surat aurait pu commencer par ⁇ dit ⁇ Allah est unique ⁇ Mais pour montrer l'importance du texte, elle a commencé par ⁇ lui ⁇⁇ hua ⁇ par à le pronom ou qui est le pronom masculin singulier troisième personne du singulier C'est pour attirer l'attention vers ce qui va venir et ce qui va venir, bien sûr, est d'une grande importance. Lui, Allah, Houa, Allah. Nous sommes dans un contexte d'unicité de Tawhid, de description d'Allah. Il convient donc d'employer le nom Allah qui exprime mieux cette idée, bah, cette doctrine, euh, qui exprime mieux cette idée, bien sûr. Euh, Allah a pour origine, comme j'ai dit de, dans la dernière fois, dans l'explication de la le sourate al Fatihah, Allah a pour origine, elle il est. Et puis il y a eu élision du i. al il est, il a le sens passif de ma'louh c'est-à-dire divinisable, adoré, divinisé, euh, c'est-à-dire l'objet d'adoration qu'on adore, que les cœurs divinisent. Par amour, crainte et vénération, euh, c'est ça il Allah, c'est ça c'est celui qu'on adore, celui qui est adoré et l'amour, parce qu'on dit ali tous les arabes disent ali tout qui a la même racine que il est, tout ça veut dire j'ai aimé, j'ai aimé telle chose. Et loulah c'est l'extrême le, amour. L'amour extrême. Euh, donc le nom d'Allah, il réunit tous les autres noms. Allah réunit tous les autres noms. Il englobe le sens de tous ses attributs. Et, et bien sûr, nous ne sommes pas dans un contexte de bienfaisance pour que la sourate emploie euh, le nom d'Allah, le généreux ou le bienfaisant. Nous ne sommes pas dans un contexte de destruction ou de châtiment euh, pour que la surah euh, euh, emploie le, le nom d'Allah, le fort. Ou Al-Qawi ou la Al aziz Le puissant Nous sommes dans un contexte de monothéisme D'où le nom d'Allah Allahu Ahad Qul Allahu Ahad Allah est Ahad Ahad vient le plus souvent Après une négation Une interrogation Et une condition Le plus souvent Et dans ces trois cas Ahad désigne des êtres dotés de raison. Par exemple, on dit euh, <sonstant> Question Y a-t-il ahad dans la maison Y a-t-il ahad dans la maison C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un dans la maison Là, ahad désigne des êtres dotés de raison. Quand on demande s'il y a dans la maison ahad, on ne cherche pas à savoir s'il y a un chien ou un chat ou une chaise ou non, mais on cherche s'il y a un homme, un être humain ou... Un être doté de raison. Euh, un autre exemple, le, 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 le verset dans la Sourate al oh An Nabi, les sunna ka ahadim an Aux femmes du prophète, vous n'êtes pas comme ahad des autres femmes, comme aucune des autres femmes. La ahad suit une négation. Et quoi, ahad suit une négation, il la valeur de négation universelle. Et à la fin de la Sourate Al-Ikhlas, rien n'est semblable à lui. Ça, c'est une négation universelle. Donc, en dehors de ces trois formes, c'est-à-dire négative, interrogative et conditionnelle, ahad peut s'employer dans un adjectif, numéral cardinal, dans un nombre. Ahad achar. Ahad achar. Comme dans surah, où la dit de... « pa abati al-awli-diyah abtani raitu ahad kawkaban dans surah Yusuf. Yusuf elle a dit « père, j'ai vu onze étoiles. Ahad achar. On dit aussi Ahadun waishurun, 21. Hmm? Là, dans ce cas, employé comme objectif cardinal, numéral cardinal, il peut désigner un objet, une chose, et pas forcément des êtres dotés de raison. Ahad peut aussi s'employer en étant annexé à un complément. C'est-à-dire à un nom. L'EDAF, c'est ce qu'on appelle EDAF. Comme dans le verset où Allah dit, il dit, Amma L'un de vous servira le vin à son maître. L'un de vous, ahadu On dit à propos du jour de la semaine, al-ahad le dimanche, on l'appelle Al-Ahad. D'accord. Alors, quant à son emploi absolu, en tant qu'attribut sous une forme affirmative, le, le, le nom Ahad ne s'applique qu'à Allah on ne dit jamais un homme Ahad on ne dit jamais en langue arabe un homme Ahad. Ahad mais on dit un homme Wahid, c'est à dire un seul homme, Wahid, un homme Wahid, Ahad est un attribut propre à Allah propre à Allah, personne ne partage cet attribut avec Allah il est Ahad dans le sens qu'il est unique en son genre il est Unique, parce que « ahad » a le sens de « un et unique ». Il est unique en son genre. Il est « ahad » dans le sens qu'il est unique en, en son genre. Et pas seulement ça, c'est qu'il est aussi « il est un » et rien n'est avec lui. Il est unique dans son genre et il est « un ».« Rien n'est avec lui. Il est unique à tous les points de vue, subhanahu wa ta'ala. Euh, pourquoi la, la sourate a employé le nom « ahad » et non pas « wahid » Ben parce que, déjà, le Ahad a le sens de Wahid. C'est-à-dire qu'il est un seul Dieu. Et en plus de cela, il signifie qu'Allah est unique dans ses attributs. Et il est sans pareil. C'est ça l'information supplémentaire. Le sens supplémentaire. Ce nom explique mieux l'unicité absolue et la transcendance d'Allah. Ça veut dire que personne n'était avec, avant Allah. Personne ne sera après Allah. Personne n'est comparable à Allah. Il est le puissant et personne n'est puissant comme lui. Il est le généreux et personne n'est généreux comme lui. Il est le miséricordieux et personne n'est miséricordieux comme lui. D'ailleurs, le reste de la surat détaille le sens de Ahad. il n'est pas il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et rien n'est égal à lui. Donc il est unique en son genre. L'emploi de Ahad est pertinent dans cette surat. C'est clair. Il est unique en son genre de un seul nom d'Allah, un seul nom d'Allah, une attribution d'Allah est un, est un, un Et On dit un seul hein? Il est aussi un nom d'Allah. Un ils il s'emploie dans le Coran à sa place, c'est-à-dire la place qui lui convient. Comme dans le verset, la qu'adkafaralladina qaloo inna Allaha tali zatlatan. Certes, sont mécréants ceux qui disent. Certes, ont mécréant ceux qui disent. Dieu est le troisième d'une trinité. Ou or il n'y a pas de divinité que Dieu qui est un. Un. Là, il y a réponse à la pluralité des divinités. Il convient donc d'employer le nom wahid. Il convient d'employer le nom wahid dans cette sourate, dans ce verset qui se trouve dans la sourate, euh, dans la sourate euh, Al-Ma'ida. Ils ont dit trois mais Allah la répliqué cette pluralité. En employant le nom Wahid. Non, ils ont dit trois Non, il est un Parce qu'on dit Wahid, 3 On dit Wahid, puis 3 2, 3. Mais on dit jamais Ahad, Isnathalata. Ahad, 3, ça n'existe pas. Mais on dit Wahid et les chiffres qui suivent. واحد اثنان ثلاثة ان دو تخوا c'est لا traduction de واحد اثنان ثلاثة مي واحد par احد يوسف عليه السلام اسي دو كومبانيون دو يا صاحبي السجن أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار Mes compagnons de de prison, a dit Youssef s'adressant à ces deux compagnons de prison. Des seigneurs disséminés ici et là sont-ils préférables à Allah qui est un et qui est le, de, le dominateur, qui est un. Donc, contre une multitude de divinités, de divinités, il convient de, d'employer l'épithèque wahid au lieu de ahad. Hum? Euh, le premier verset décrit Allah comme étant ahad. Unique. Dans ses... Non. Unique dans ses attributs, unique dans sa miséricorde, sa puissance, sa science, etc. Le deuxième verset, qu'est-ce qu'il fait Le deuxième verset, le premier verset, c'est Le deuxième verset, il ajoute une autre chose. En plus du fait qu'il est unique, en plus du fait qu'il est unique dans sa miséricorde, sa miséricorde, Émane de son essence et de personne d'autre. En plus du fait, c'est ça le sens du Samad. En plus du fait qu'il est unique dans sa puissance, sa puissance provient de son essence et ne dépend de personne d'autre. En plus du fait qu'il est unique dans sa science, sa science vient de son essence, de, sa, de son dette, dette yeah. Il n'a pas d'autre source. Etc. Il ne dépend de personne. Il n'a besoin de personne. Il se passe de tout le monde. Et c'est ça. Et c'est ça le sens de Samad. Allahou Samad. Le verbe Samada ila. nous allons expliquer un peu. Revenir à la langue arabe pure. On dit Samada ila. Samad. La question des racines, des structures a, est très importante en langue arabe. Donc, samad c'est le nom et le verbe samada c'est le verbe et le, et le samada ila c'est le verbe. Et alors, le verbe samada ila signifie qu'est-ce qu'il signifie Se diriger vers, et recourir à. Il tige ila. Samad to ila ça veut dire il Je j'ai recouru à à tel. Je me suis dirigé vers et Samad, en tant que nom, il a le sens passif de Masmoud. Masmoud est une forme passive. Samad, il a le sens, en tant que nom, il a le sens passif de Masmoud. Ça veut dire celui vers qui on se dirige, celui à qui on a recours, celui à l'égard de qui on est indigent, celui dont on, dont on a besoin. Celui à qui on fait appel en cas de besoin. C'est ça Samad. Il a le sens passif de Masmoud. Comme Hamel, Hamel, c'est le, le verbe négligé. Et quand on dit Hamel, c'est quelque chose qui a été négligé. Mahmoul. Il a le sens de passif de Mahmoul. Donc Samad, en tant que nom, a le sens suivant. Celui à qui on a recours. On a recours. Un autre sens de Samad, c'est le chef suprême. As-Samad, As-Sayyidu, qadintaha, As-Samad veut dire aussi le chef suprême. Aucun chef n'est supérieur à lui. Les Arabes qualifient aussi de Samad un corps massif et plein. Un corps qui n'est pas creux. C'est dans le sens de Mousmat. Un corps vous pouvez constater qu'un corps creux, c'est un corps faible. faible. Là, c'est un corps compact, massif, plein. Donc, en résumé, Samad, c'est le parfait dans ses attributs qui se passe de tous les, êtres alors que, que les qui se des êtres, alors que les êtres ont besoin de lui et recourent à lui. Donc, d'après donc, ce sens, n'importe qui ne peut pas être Samad par essence. Même s'il est un roi, un grand chef, même si on le qualifie de chef suprême, comme les Arabes qualifient certains hommes influents, même s'il si les qualifie de samad, euh, ben, ce chef suprême ou ce, ce roi, il fait appel à ses sujets pour l'aider et le soutenir. Il a besoin d'eux. Il ne peut pas se passer d'eux, comme il a besoin d'air. Il a besoin d'oxygène pour vivre, de nourriture, de boissons, d'épouses, d'enfants. Il n'est donc pas samad de manière absolue. Quant à Allah, il est samad dans toute l'acception du terme. C'est-à-dire qu'il est assez riche pour se passer de tout le monde. Et, et tout le monde recourt à lui, tout le monde a besoin de lui dans sa vie, dans, tout ça. dans sa vie. Et a besoin d'Allah wa ta'ala dans toutes ses affaires, parce que c'est Allah qui a assujetti ce qu'il y a dans les cieux et la terre euh, à notre service, au service des croyants et des mécréants aussi. Question Pourquoi le nom Ahad a été employé sous une forme indéterminée, Nakira Ahad, et non pas Al Ahad Ahad c'est-à-dire sans l'article défini Al. Alors que Samad a été employé sous une forme déterminée avec l'article défini. wa Allahu Ahad. Avec Allahu Stafira wa Ahad. Sans l'article défini. Allahu As-Samad. Allahu Samad. Là, il y a l'article défini. C'est-à-dire le nom Samad a été précédé par l'article défini. Ce qui n'est pas le cas de, du nom. Ahad. Hmm. Ahad sans l'article défini, samad avec l'article défini. Ahad sous une forme indéterminée, samad sous une forme déterminée. Pourquoi bah Parce que l'unicité d'Allah, l'ahadiyya, Ahad, le fait qu'il soit un, unique, est ignorée de la plupart des gens. Et en particulier des Arabes qui ne reconnaissaient pas à Allah l'unicité absolue. Ils lui attribuaient des associés qui c'était des associateurs. Bah, la, surat, la surat leur apporte une information qu'ils ne connaissaient pas, ou qu'ils niaient, qu niaient plutôt, ou qu'ils refusaient de reconnaître, à savoir l'unicité d'Allah. Donc il convient d'employer le nom Ahad sans l'article Al, sans le définir, puisqu'ils ne connaissaient pas l'unicité d'Allah, ou ils ne reconnaissaient pas à Allah ce tawhid, là cette unicité-là. Donc il convient donc d'employer le nom Ahad sans le définir par l'article Al, par le si vous voulez. Donc, si la, 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 la Surat avait employé cette épithèque sous une forme définie, c'est-à-dire que si la Surat a commencé comme ça, al-Ahad, au lieu de al-Ahad, cela prouverait que c'est un, un attribut qui est connu des Arabes ou reconnu des Arabes, ce qui n'est pas le cas. Les Arabes étaient des associateurs, ils n'étaient pas des mouahidines. Samad a été employé sous une forme définie. Précédé de l'article Al. Allahu As-Samad. Allahu as Al-Samad al à la base. Mais le lem a été contracté et réuni avec ça et ça a devenu As-Samad. Mais sinon, c'est Al-Samad à l'origine. Donc, c'est un article défini. C'est ce que disent les, les Arabes. Disent bah parce que pourquoi il a été employé comme ça sous une forme déterminée bah parce que c'est un attribut qui est déjà connu des Arabes. Ils savent, les Arabes savent très bien qu'Allah est le maître suprême à qui toutes les créatures recourent. Ils croient qu'Allah est le créateur. Il croit qu'Allah est le Razak, le dispensateur. Il croit que c'est Allah qui fait pleuvoir. Il croit en cela. Et quand il se trouve dans une situation de détresse, il recourt à Allah directement. Comme a dit Allah dans beaucoup de versets. Il dit :« Idamassa doro fil bahri, d'Allah man tadouna ilaïa. » Il dit :« Fala manadja kom ila al-Barri, arat tumakan an insan kafura, dans Surah Al-Isra'a. » Si un danger vous menace en mer, tous ceux que vous invoquez s'évanouissent dans votre esprit sauf Allah. Il leur dit, il les dénonce. Il dit aux mécréants, aux associateurs arabes, il dit quand vous êtes en mer et que vous vous trouvez, vous, vous, vous sentez menacé, vous risquez la noyade, ben vous recourez directement à Allah et vous oubliez vos, vos idoles. Et lorsqu'il vous en délivre en vous ramenant à la terre ferme, il barri »« aratom. Vous vous détournez. « Wakan al-insanu kafura »« Combien l'homme est un gras » dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le surat al-Isra'a. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa la-insa'al-tahuman khalqa al-samawati wa al-ardala yaqulunna »« Allah, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront sûrement c'est Allah » surat al Donc le problème chez eux, c'est qu'ils ne veulent pas rejeter les idoles qu'ils invoquent en dehors d'Allah et qu'ils considèrent comme des intermédiaires entre eux et Allah. Quand ils, quand ils ont fait des, des, des propositions au prophète, pour qu'il renonce à sa, à sa da'wah, à savoir qu'ils feront de lui, ils ont proposé qu'ils feront de lui leur roi ou leur souverain, que nulle décision ne sera prise sans son accord, ou ils feront de lui l'homme le, le plus riche de la cité, bah, le prophète il a refusé toutes ces propositions-là. Hmm? Et il leur a dit « Je ne veux de vous qu'une seule parole, « Je ne veux de vous qu'une seule parole par laquelle vous dominerez les Arabes et les non-Arabes »« al wa al-Ajam Ils répondirent « Nous sommes prêts à te donner dix paroles »« Pas une seule parole, nous sommes prêts à te donner dix paroles » Il leur dit « Dites la ila ilallah »« Vous aurez le succès ultime »« ils ont dit sauf celle-ci. Tout, nous acceptons tout sauf celle-ci. C'était des Arabes. Ils, sa ils, sa ils savent ce que, ce que cette so formule signifie. Il n'est de Dieu si ce n'est Allah. Hein? Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. Il signifie qu'il faut qu'ils rejettent les 360 idoles autour de la Kaaba et les petites idoles qui, qui se trouvent chez eux, chez, chez, chacun, chacun d'eux, et qu'ils invoquent. Ils savent que le fait de, de dire la ila à ça veut dire qu'ils qu doivent invoquer qu'Allah seul, qu'ils doivent l'adorer seul, qu'ils doivent sacrifier pour lui seul. Hmm? C'est ça, ils savent, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté. il comme dit Allah Il a fait des divinités, un seul dieu, un seul ila. C'est quelque chose d'étonnant. Ça, ça, les, ça, les, ça, euh, ça les a étonnés. Ils n'ont pas accepté. Ils ont dit Dieu, oui, d'accord, il est le créateur, mais il a des intermédiaires. Ces, ces, ces idoles-là, ils représentent des hommes sages, des hommes euh, vertueux. Donc, euh, ce sont eux. Nous, nous l'invoquons pour, euh, pour, pour qu'ils les, 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 qu les, les transmettent à Allah. Notre, notre invocation, c'était ça leur shuba. Ils, la, ils les adorent avec Allah. Subhanahu wa et ils savent que la Allah veut dire qu'ils doivent, doivent rejeter toutes ces idoles-là. Hmm? Qu'ils doivent rejeter euh, toutes ces idoles-là. C'est toute la différence entre la plupart des gens aujourd'hui. Les gens disent la Allah mais ils ne comprennent pas son sens et ne savent pas ce que cette formule exige d'eux. Ils disent la Allah avec leur langue, sans la comprendre avec leur esprit et, 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 le, et leur cœur. Et le contredisent même, ils contredisent cette formule par leurs actes et leurs paroles. Ils invoquent les tombes, ils invoquent leurs chair ou leurs imams, ils élèvent leur imam au degré d'Allah. Ils sacrifient pour les adreha, les, les, les mausolées, les temples des wali, ils jurent par autre chose qu'Allah. Ils s'en remettent à un jugement autre que celui d'Allah. Hein? Et quand il tombe dans des problèmes, il recourt au devin. Hmm? Bon, ça concerne le fait que Ahad soit sous forme indéterminée, Samad, sous forme définie avec l'article la, défini Al. Ben autre chose, si si Samad n'était pas défini, c'est-à-dire si la surat a dit Allah est Samad, sans dire Allah est Samad, sans l'article défini, cela signifie qu'Allah est quelqu'un auquel on recourt. On pourrait alors comprendre qu'il n'est pas le seul auquel on a recours, mais euh, on peut avoir recours à d'autres également. C'est-à-dire que si c'était Samad, c'était sous forme indéterminée, c'était sous une forme euh, sans l'article défini, bon, ça, on pourrait, certains pourraient comprendre qu'il n'est pas le seul auquel on a recours. Mais là, il a dit Allah, As-Samad. En plus, Allah n'a pas dit Allah, Had le Samad. Il n'a pas dit Allah, Ahad. Le samad. Allah, Ahad, Allah, Ahadun, As-Samad. Mais il a dit, lui, Allah, qui est unique, il est Ahad, Allah, le samad. Il a répété son nom, Allah, pour montrer l'importance de chacun des deux épithèques sur le plan de la Aqidah. Allah, Ahad, Allah, Samad. C'est pour mettre l'accent sur ces deux attributs-là, à savoir l'Ahadiyya et le L'Am-Yalid, ou lam il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Les deux premiers versets parlent des attributs de perfection d'Allah. Attributs d'affirmation, la divinité, l'unicité, la samadhiya, c'est-à-dire le parfait qui se passe de tous les êtres tandis que tous les êtres ont besoin de lui. La divinité, tawhid, et l'unicité qu'il est, et la samadhiya. Les deux versets qui parlent, les deux versets qui restent, ça, c'est le deux premiers versets. Les deux versets qui restent, ils parlent de quoi? Ils parlent de l'exemption d'Allah de toute imperfection. Alors les deux premiers parlent de l'affirmation des attributs. Et les deux versets, parlent, les deux versets qui restent, ils parlent de de l'exemption d'Allah de toute imperfection. Il est trop sublime pour avoir un enfant ou une compagne. La question de la procréation, de l'enfantement, ça c'est réservé aux créatures faibles, comme nous. C'est réservé aux animaux, hein? aux végétaux. Nous avons besoin de reproduction pour la pérennité de l'espèce, pour peupler la terre. Nous avons besoin d'épouses et d'enfants pour combler un, 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 manque, qui, un manque affectif hein? qui est en nous, ou pour que nos enfants réalisent ce que... Ce que, euh, ce que euh, ce que nous n'avons pas, pas réalisé dans la vie. Bref, nous avons besoin de nos enfants et nos enfants ont besoin de nous. Allah est ahad. Il est unique dans ses noms et ses attributs. Il est samad. Il n'a pas besoin de nous ni d'aucun être. Il se passe de tout le monde. Et quand il nous fait miséricorde, c'est par essence qu'il le fait. Il n'a pas besoin de la puiser d'une créature. Et ce n'est pas parce qu'il en, euh, qu en a besoin qu'il le fait. Hein? Et quand il nous donne de l'amour. Quand il nous dispense de l'amour, quand il nous inspire de nous aimer, c'est en vertu d'un amour qui est un attribut essentiel, d'où son nom al-Ilah, c'est-à-dire al-Mahboub, celui qu'on adore, et d'où son nom al al-wadoud al », affectueux, hein, le dispensateur de l'amour. Il n'a pas engendré parce qu'il n'a pas besoin d'enfants, il n'a pas besoin de successeurs, puisqu'il est le premier et le dernier, il est l'éternel. Hein il n'a pas été engendré, il n'est pas né de quelque chose. S'il est sorti de quelque chose, ça veut dire qu'avant qu'il ne naisse, il n'était rien. Or Allah est éternel. Il était alors que rien n'était avant lui. S'il était né, il ne serait pas unique. Il aurait un associé, à savoir son père. Hmm? C'est bien ça. Pourquoi la sourate a commencé par il n'a pas engendré Avant, il n'a pas été engendré. La il a commencé par il n'a pas engendré. Avant, il n'a pas été engendré. Bah parce que les associateurs et les chrétiens lui ont attribué un enfant. Les associateurs arabes lui avaient lui attribué, lui avait attribué euh, des enfants parmi les anges. Hum? Il convient donc de commencer par ce qui réfute leur doctrine. Ensuite, bah, la surat, qu'est-ce qu'elle a fait la solace a commencé parce qu'il réfute leur doctrine l'amielide il n'a pas engendré et on souhaite qu'est-ce qu'il a fait il a indiqué l'argument l'argument un argument c'est-à-dire dans un seul verset il y a la réfutation et l'argument l'argument c'est quoi l'argument c'est il n'a pas été engendré ou c'est comme si Allah leur disait la preuve qu'il n'a pas été qu'il n'a pas engendré c'est qu'il n'a pas été engendré nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'a pas été engendré. Donc si nous sommes d'accord sur ce point, a fortiori, nous devrons être d'accord sur le fait qu'il n'a pas été engendré. Qu'il n'a pas engendré, pardon. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'a pas été engendré. Donc si nous sommes d'accord sur ce point, bah, plus forte raison, nous devrons être d'accord sur le fait qu'il n'a pas engendré. Autre chose, cet ordre est pertinent. Parce que la négation d'engendrer implique la négation d'être engendré. Car le besoin d'avoir un père est plus insistant et plus grand que le besoin d'avoir un fils. Il y a beaucoup de raisonnements qui réfutent la doctrine des chrétiens et tous ceux qui attribuent. Parce qu'avant les chrétiens, d'autres attribuaient à Allah des enfants. Le kouf, c'est le semblable, c'est l'équivalent. Allah n'a pas de semblable, il n'a pas d'équivalent, il n'a pas de père. p a Dans cette sourate, Allah a montré qu'il est trop transcendant et trop sublime pour avoir un fils, ou pour être engendré, ou pour avoir un égal. ou la ahad. Normalement, si on veut respecter l'ordre dans cette phrase, on dira Ça c'est le verset. Mais si on veut respecter bon, dans notre tête, on dira Il y a ici antéposition. C'est que le jar et le majrour, la préposition est la hu et le pronom, le pronom, il renvoie à Allah. L'illah, normalement. Kufuan la, le lehu, je, je suis en train d'analyser le le, 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 le le terme lehu, c'est-à-dire que euh, après le nom kuf kuf ahadun kufuan lehu, on ne dit pas par exemple exemple on ne dirait pas par exemple the habtu al Madrasa. On dit pas il a le madrasa à l'école je suis allé. Mais on dit je suis allé à l'école. Je suis allé à l'école, mais on dit pas à l'école je suis allé. Le jar et le major ici c'est à l'école. Il a le madrasa. Si vous voulez, c'est un passion Et l'agent c'est le verbe aller. Donc dans ce verset là, il y a antéposition. Il y a antéposition. C'est à dire que là où l'illah, là elle est mis avant le kouf, avant kouf. Il y a antéposition dans ce vers, dans ce verset. Pourquoi bah, en, bah, Parce que cette antéposition, elle introduit une clause restrictive. Ayant pour fonction de renforcer ce qui est mentionné et d'exclure ce qui ne l'est pas. Cela veut dire que personne n'est semblable à Allah. Le verset nie exclusivement l'existence ex d'un semblable à Allah négation absolue, c'est ça la raison pour laquelle Allah subhanahu il a inversé, il a, il a fait cette antéposition en mettant la avant kufwan wa lam yakun ahad au lieu de dire wa lam yakun ahadun kufwan voilà, il y a antéposition clause restrictive, ça veut dire qu'il y a négation absolue nul n'est égal à Allah, voilà cette sourate exprime clairement le tawhid la profession de foi, la ilaha illallah. négation et affirmation. La ilaha, il n'est pas de Dieu, négation et ilaha, illallah, affirmation. Nul n'est en droit d'être adoré Allah, il n'est de Dieu, de vrai Dieu qu'Allah, négation et affirmation. Hmm? Nul ne, mette, ne mérite le mérite d'être Dieu sauf Allah. Dans cette même sourate dans cette Surat, il y a la négation comme la négation qui se trouve dans la profession de foi. Il y a la négation d'un équivalent à Allah, l'exemption d'Allah de la question du Père et du Fils et affirmation de la divinité absolue d'Allah. Euh, Allah, Allah. affirmation de la divinité absolue, c'est-à-dire qu'il est Allah, qu'il est Ahad et il est Samad. Hum? Il y a négation et affirmation dans cette surat comme la négation et l'affirmation se trouvent dans la profession de foi. La ilaha illallah. Remarquez comment notre aqidah du Tawhid est claire, saine, conforme à la raison et conforme à la, à la, à la, à la, à la nature saine. Conforme à la fétra. Contrairement aux aqidah des chrétiens et d'autres aqidah qui sont très compliqués. Elle est simple, elle est conforme à notre raison, elle est conforme à notre, à, à notre, à notre nature saine. Tout le monde accepte ce tawhid, la pure et claire et simple. Nous ne pouvons que louer Allah سبحانه وتعالى pour cela. inchallah bon, la prochaine fois je vais faire, je vais donner une explication de le muawidatain, de la sourate "Qul wa Allah Qul A'udhu bi Rabbi'l Falak Qul A'udhu bi Rabbi'l comment on refuge soit en Allah. Euh, Comment refuge soit comme on refuge soit en le Créateur de du falak de, 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 de l'aube naissante et comme on refuge soit en le Seigneur des hommes Comment refuge le lien lien de correspondance entre ces les deux sourates prophylactiques les موعودتين et la sourate l'ikhlas euh, Puisque bon euh, La sourate l'ikhlas décrit Allah Comme étant samad Qu'il est le refuge qui est l'extrême refuge Qu'on a recours à lui Qu'il se passe de tout le monde Que tout le monde a besoin de lui bah, Il convient que les sourates qui viennent après euh, Comportent la demande de refuge bah, Si Allah il est les samad bah, Dans ce cas alors recours à lui Dit il demande à son prophète et à la communauté de recourir à lui en tant que, que créateur de l'aube naissante et en tant que créateur euh, du de seigneur des hommes. Voilà, je vais expliquer ça la prochaine fois.